baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo où vous allez venir passer la journée avec moi en tant que maman de 3 enfants. Avant de commencer la petite vidéo, je vais venir me présenter pour toutes les nouvelles qui ont rejoint la communauté ces derniers jours. Du coup, moi, c'est Sophia, maman de 3 petites filles. Je suis originaire de l'île de Mayotte et sur ma chaîne, je vous partage ma vie de famille, ma vie de maman et ma vie de femme. Ouais, t'aimes bien? J'ai peur qu'il tienne pas. Si, il tient pas. Eh ben, passez d'abord vous devant. Comme ça, s'il tient pas, au moins... Vas-y, Kylie. Vas-y, toi, Kylie. Kylie, elle est pas rassurée. Oh, il est trop beau. Allez, viens, Kimi. Arrête de faire la tapette. Laisse, Kylie. Kimi, c'est une grosse tapette, Kimi. Allez, viens, reste derrière. Allez, viens, ça se peut, c'est ton côté qui va tomber. Ouais. Waouh. T'as le vertige. Eh ben retourne là-bas, nous. Kylie, elle a dit, va retourne là-bas. C'est pour ça que j'aime bien venir en avance. Quand elles sont... Enfin, quand Kimi a des matchs à l'extérieur, j'aime bien venir à l'avance. Bah, comme ça, au moins, je découvre les villes, parce qu'en général, c'est toujours dans une ville différente. Ça donne sur un parc? Ouais, le parc. Donc, Kimi a commencé ses petits entraînements, nous on s'est mis dans notre coin, donc le vent s'est arrêté. Enfin, il ne fait pas trop froid, limite on aurait pu ramener Kiki, mais je préfère mieux la laisser chez ma mère, comme ça au moins je sais qu'elle est tranquille là-bas, parce que ça fait très très long pour elle, puisque tous les samedis, si Kimi est convoqué, bah, on est à l'extérieur de 9h jusqu'à midi, voire 1h. Donc voilà, c'est bien qu'elle soit restée chez mamie. Donc là, ils sont en train de s'entraîner, comme je vous ai dit. Et on s'est posé avec Kylie à côté. On attend qu'elle finisse les entraînements et qu'elle commence les matchs. Kylie, elle m'a dit, j'ai trop trop hâte, maman, puisque ce soir, on va sortir. Et effectivement, ce soir, on va sortir, on va partir... À la Vogue. Ouais, on va aller à la Vogue. Dans notre ville, il y a la Vogue. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est quoi une Vogue? C'est genre un style de fête foraine. Là où il y a des manèges. Ouais, là où il y a des manèges. Et elle a trop trop hâte. En plus, on doit envoyer un message au papa de Léa. Enfin, au papa ou à la maman de Léa. Pourquoi? Bah, pour qu'elle vienne. T'as dit, tu veux pas. Ah, tu veux... oui. Ouais. Enfin, je sais pas si tu voulais. Oui, moi j'ai envie qu'elle vienne. Ouais, voilà. On doit envoyer un message aux parents de sa meilleure amie pour savoir s'ils vont y aller ou pour savoir si, si on peut la récupérer. Trop trop bien. On va manger des churros. Ouais, des pommes d'amour qui vont nous casser les dents. Dites-moi en commentaire si vous aimez les pommes d'amour. Moi, je déteste parce que c'est... Je sais pas, c'est... C'est trop... Je sais pas, ça a cassé les dents, moi, je trouve. Toi, t'aimes bien? Après avoir fini de s'échauffer, Kimi a commencé à jouer avec son équipe les 2 matchs de la matinée. Pour celles qui ne le savent pas, mes filles pratiquent du sport, donc Kylie fait du karaté et Kimberley fait du foot. Du coup, tous les samedis, Kimi est convoquée pour ses tournois de match. Cette année, Kimi est très très concentrée au niveau de ses matchs puisqu'il y a beaucoup plus de filles dans le club. Donc les coachs sélectionnent les meilleures joueuses pour jouer les matchs. Et ce jour-là, elle avait gagné. J'étais trop contente et trop fière d'elle parce qu'elle s'était donnée à fond. La 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 oh 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 la la.
Du coup, on est revenu dans la voiture. Kimi a gagné ses deux matchs. Donc le premier, comme je vous ai dit, c'était 4-0. Le premier, Kimi, 4-0. Et le deuxième, c'est 4-0. Baisse le son du téléphone. Et le deuxième, 4-0. 4-0. Moi, à partir du deuxième but, je compte pas. Je me concentre sur le match de ma fille, mais j'arrête de compter. Donc voilà. Donc on va aller prendre notre petite glace. Je vais mettre le GPS en plus. Parce que du coup, comme on n'est pas dans notre ville, McDo, est-ce qu'il est loin ou pas? T'avais regardé maman. Ouais, non. J'avais. Attends. Non, c'était pas le McDo de tout à l'heure. McDo Rive de J, ça me met. On va mettre le GPS, comme ça au moins on va pas tourner en rond. Hop. Voilà. La direction ouest sur boulevard Noël. C'est parti pour un McDo. Tu tiens le téléphone du coup pour pas qu'il tombe. Hop, je vais avancer mon siège et on va prendre nos McDo. Étant une maman très très active dans la vie de mes enfants, donc après avoir récupéré les petites glaces, on va venir se poser dans la voiture puisqu'il y avait beaucoup de vent dehors. Et là, je vais faire un peu le petit débrief du match, lui dire ce que j'ai pu voir qui était pas bien et ce qui était bien. Donc là, elle me disait à quel moment où elle était à l'aise pendant les matchs et à quel moment elle ne l'était pas. Pour lui permettre de s'améliorer après chaque match, j'aime bien lui donner mon avis puisque voilà, moi je suis là en tant que spectatrice, donc je lui donne un avis extérieur au match alors qu'elle, elle a l'avis intérieur. Donc voilà, elle essaye de voir, de comprendre ce qu'elle peut améliorer pour la prochaine fois. Des fois elle est d'accord et des fois elle n'est pas d'accord. Du coup là, on est arrivé devant chez ma mère et comme vous voyez, les dégâts de cette matinée. Donc Kimi s'est endormie, Kylie, pareil, de l'autre côté, elle est carrément couchée à l'arrière et tout. Elles sont trop trop fatiguées. Il faut savoir que les samedis, quand Kimi est convoquée pour un tournoi, les filles se réveillent depuis 7 heures, le temps qu'elles déjeunent, qu'elles se préparent et qu'on part. En général, on part de la maison, il est 8h20, 8h30 pour être à l'avance, en fait, pour anticiper tout bouchon sur l'autoroute, puisqu'en général, les matchs, c'est très rarement qu'ils sont dans notre ville. On est tout le temps obligé de se déplacer. Donc voilà, elles sont trop, trop fatiguées. Là, je vais devoir les réveiller pour rentrer chez ma mère. Je ne vais pas pouvoir les laisser dans la voiture. De toute façon, je ne peux pas les laisser dans la voiture. Je vais les laisser se reposer une heure chez ma mère et ensuite on rentrera, enfin, et ensuite on ira directement au magasin pour aller prendre ce qui nous manque pour cet après-midi. C'est bon, on a récupéré Kiki chez ma mère. Là, elle vient de se réveiller d'une sieste. Ses cheveux sont tout ébouriffés. On est venu à Lidl. Du coup, on aura besoin de 2-3 trucs pour les sushis de ce soir. Les filles en ont profité pour prendre un goûter. Là, du coup, on aura besoin de concombres. On choisit lequel ? Nous en faut qu'un de toute façon. Oui. Tu prends lui? Non, lui il est mieux. Regarde. Il est mieux. Lui il est plus long. Non, lui il est mieux. Lui il a une forme bizarre. Lui il est mieux. Hop, un concombre. Avocat. Qui me trouve les avocats? Moi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Allez, viens. Oh. Qui va me trouver les avocats? Kylie. Allez, on choisit les avocats en sachant que nous on sait pas. Enfin, moi, je sais pas choisir les avocats. Je sais pas s'il faut les prendre mou, s'il faut les prendre durs. Les avocats, ils sont à combien? 1,19. Attends, je vais regarder le petit filet, là. Il y en a 3 dedans. Il est à combien? Il n'y a pas les prix. On prend lui. Enfin, on prend lui. Bah, je sais pas, le filet, il est à combien? Regarde comment il est bien vert. C'est un avocat, ça? Bah, oui, normalement. C'est un avocat? Oui, normalement, j'ai les prix. Il est dur, hein? Alors, mais il en faut un dur ou un mou? Bah, un seul. Regarde, il y en a. Je sais pas s'il faut prendre dur ou mou. Bon, on prend les deux. Non, on en prend. Ouais. On prend un dur. Et un mou. Et un mou. Allez, vas-y. Maman. Ou non, prends pas un trop mou. Prends un moyen, pas trop mou. Là, on vient d'arriver à la maison, on s'est mis à l'aise. Donc, au magasin, à Lidl, j'ai pris Kiki, doucement.
Doucement, Kiki. J'ai pris du papier film puisqu'on en aura besoin pour rouler nos sushis. Donc, vinaigre de riz, ça, on l'avait déjà à la maison. Je l'ai sorti des placards et tout. J'ai pris deux mangues puisque un jour, au resto et tout, j'avais mangé des sushis à la mangue. Des sushis et il y avait des lamelles de mangue dessus. Et depuis, bah, j'ai trop aimé. Et depuis, bah, quand on fait des sushis à la maison, j'aime bien prendre une mangue. Normalement, ça suffit. Mais comme je suis une grande gourmande, j'en ai pris deux. Voilà. Un concombre. Donc là, Kiki m'a tapé déjà un croc dans la voiture. Les avocats. Donc les avocats, un seul, normalement, ça suffit. Mais là, on en a pris deux. Il y en a un qui est un peu mou et l'autre qui est un peu dur. On verra. Et je suis passée à Jiffy également et j'ai pris ce bac à glaçons en silicone. Donc le bac à glaçons, en fait, les filles, va me servir à faire des sushis. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je vais tester et on va voir ça tous ensemble. Donc j'avais un bon, en fait, par rapport aux décos d'automne que j'avais acheté là-bas. J'ai eu un bon d'achat que je devais utiliser absolument jusqu'à, enfin, pour aujourd'hui, en fait. C'était aujourd'hui la date limite. Du coup, je suis partie et je savais pas quoi prendre. J'ai pas envie de prendre de déco. J'ai pas envie de prendre de linge de maison puisque voilà, j'ai tout à la maison. Du coup, j'ai vu ce petit bac à glaçons et je me suis dit pourquoi pas faire les sushis ce soir à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer. On va mettre le riz ou le saumon. Saumon, riz, on va mettre tout ce qu'on a à mettre. On va tasser. C'est ce que, d'après moi, j'espère que ça va marcher. On va bien tasser. On va réserver au frais pendant quelques minutes. Et je pense qu'à l'aide d'un petit couteau, quand on va venir enlever notre cube de riz, je pense que ça va nous faire des sushis bien formés. Après, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Je vais tester et on va découvrir ça tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si ça a marché ou pas. Là, vraiment, là, on part sur quelque chose de... Comment dire? On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce que ça va donner. Je vais commencer à faire cuire le riz à sushi, puisqu'après, il faut le laisser refroidir. Donc je vais vous montrer comment faire cuire le riz. Après, je ne sais pas si je m'y prends bien, mais j'ai toujours fait comme ça. Et je pense que, voilà, ça le fait quoi. Pour le riz à sushi, donc moi je prends celui-là. Donc Alex l'a acheté à Auchan, je crois, si je ne me trompe pas. Et de toute façon, du riz à sushi, vous pouvez en trouver de partout un peu, dans les grandes surfaces ou sinon dans les magasins asiatiques. Après, dans les magasins asiatiques, on a plus de choix puisqu'il y a plus de marques. En général, à Auchan, Leclerc et tout, vous en trouvez, mais c'est limité. Vous n'avez pas trop de choix, en fait. Alors que dans les magasins asiatiques, il y a plus de marques, comme je vous dis. Du coup, moi, je vais faire 2 kilos de riz, puisqu'ici, on a une grande, grande fan de sushi. Donc, 2 kilos pour nous. Là, aujourd'hui, elles vont bien, bien s'éclater. Hop là. On va venir nettoyer le riz. De toute façon, je vais pas vous dire... Bah, c'est marqué, voilà. Il y a toutes les consignes à l'arrière, normalement, pour faire du riz à sushi. Donc, laver le riz plusieurs fois. C'est ce qu'on fait d'habitude en temps normal, même quand c'est pas du riz à sushi. Mettre le riz dans l'eau... mettre le riz et l'eau dans une casserole profonde. Laisser bouillir 3 minutes. Couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes. Donc, c'est ça, à feu doux. Après, on laisse refroidir un peu. On ajoute le vinaigre de riz, donc qu'on prend à Lidl pour nous, et le sucre. Après, il y a les dosages. En général, derrière les paquets de riz à sushi, il y a toujours la cuisson du riz. Hop, je vais partir le nettoyer plusieurs fois. Je vais mettre mon eau et on va lancer la cuisson. Pendant que mon riz est en train de cuire, je vais venir découper mes concombres et mes mangues en lamelles. Et pour ça, je vais venir m'aider de l'économe. Donc, je vais enlever la peau des concombres, puisque voilà, j'aime pas trop. Mais vous pouvez les garder. Et à l'aide de l'économe, je vais venir faire des lamelles. Si vous voulez, vous pouvez faire des bâtonnets. Moi, j'aime bien faire des lamelles comme ça, parce qu'après, c'est tout fin. Et quand je les mets dans les sushis, les filles ne sentent pas en général. Donc voilà, elles mangent sans chipoter. Alors que quand c'est des petits bâtonnets, elles sont là à les enlever. Après avoir fini de découper le concombre, je vais venir maintenant passer à la mangue et faire des lamelles toujours. Donc essayez de prendre une mangue très très mûre. Moi j'en ai pris une, je pensais qu'elle était assez mûre, mais non pas trop. Donc essayez vraiment de prendre une mangue très mûre. Après avoir terminé de découper mes lamelles de mangue, je vais venir maintenant me faire plaisir en mangeant de la mangue avec du sel. J'aime trop, j'aime beaucoup, je peux pas m'en passer.
d'enlever, de récupérer tout le riz qu'il y avait dans la casserole. Donc, ça en fait pas mal. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ici, on aime beaucoup les sushis. Donc, 2 kilos, ça nous suffit largement. En général, vous allez voir ce soir. Enfin, vous allez voir, non, vous n'allez pas voir. Mais ce soir, quand on va en manger, il va rester, on va dire, une assiette de sushis qu'on finit pour le lendemain. Donc, dès que j'ai enlevé mon riz de la casserole, je vais venir arroser de vinaigre de riz et de sucre. Donc, les dosages, en général, vous les avez toujours derrière le sachet de riz. Hop. Moi, j'ai mis l'équivalent de 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz et je crois que c'est 1 cuillère à soupe de sucre. Donc, de toute façon, vous les avez, les dosages, en général, sur les emballages de riz à sushi. Hop, on va venir en mettre de partout. Et on va venir mélanger. Donc, normalement, il faut mélanger avec les mains. Mais là, comme le riz est chaud... C'est pas bon. Va là-bas, s'il te plaît. Mais là, comme le riz est chaud, je vais le faire avec la spatule. Hop. Hop, les... Du coup, mon riz, je l'ai filmé. Il est dans mon petit plateau. Je vais venir le mettre sur le bar. Et là, les filles vont commencer à disposer tous nos ingrédients. On a pris du saumon fumé parce qu'on aime beaucoup ça. Vont venir disposer dans nos petits cubes ce qu'il faut pour les sushis. Du coup, pour les premiers cubes, enfin pour nos premiers sushis, on va faire saumon au-dessus. En fait, ça va être le bas du sushi parce qu'on va les enlever et on va retourner. Donc, le haut du sushi, en fait, c'est ce qu'il y a en bas du bac. Je pense que vous avez compris. Bref, vers le bas, on va mettre du saumon. Voilà, comme elle a fait Kimi. Kylie va venir mettre, enfin, c'est moi, je vais mettre une dose de riz et tout, une petite cuillère à café de riz. Après, on va mettre du fromage frais, comme ça. Et je pense qu'on va remettre une dose de riz sur le dessus. On va rester sur quelque chose de neutre. On va voir si ça le fait ou pas. Après, on va mettre le bac au frigo. On va laisser bien refroidir, enfin refroidir, prendre le froid pendant quelques minutes. Et on verra si ça se démoule bien. Si ça se démoule bien, ben, tant mieux, puisqu'on aura eu... je sais plus il y a combien de petits bacs comme ça. Petit là, il y en a... Je crois qu'il y en a 24. Du coup, on aura eu 24 sushis en quelques minutes. On va voir si c'est quelque chose de bien ou pas. Dès que Kimi a mis des petits morceaux de saumon fumé dans chaque petit trou du bac à glaçons, moi je vais venir ensuite mettre du riz. Donc j'ai commencé à mettre que du riz puisque je ne savais pas si ça allait le faire ou pas. Mais après, au fil de la vidéo, j'ai remarqué que voilà, ça le faisait très très bien. Donc n'hésitez pas à bien bien tasser. C'est bon, j'ai fini de garnir les petits, le petit bac à glaçons. Donc, direction au frais. On va attendre 10 minutes pour bien que le riz soit bien, bien froid. Et on va voir si ça a marché ou pas. Et franchement, si ça a marché, je crois que maintenant, je ne vais plus me prendre la tête. Au niveau direction au frais. Et on se retrouve dans quelques minutes pour voir le résultat. Là, je viens de les sortir du frigo. On va voir si ça l'a fait ou pas. Du coup, un petit couteau. Donc le moule est en silicone. Hop, je vais voir si on peut les démouler sans forcément utiliser le petit couteau. Hop. En appuyant vers le bas pour pas... Yeah, ça suit tout seul. Ah, trop trop bien. Regardez. Trop trop bien. Kimi? Ah, du coup, super. Il est trop beau. Il est tout mignon. Allez, on va faire les autres, on va voir si ça suit aussi. 24, c'est ça? Attends, hop, les... Ah, yeah! C'est super, je suis trop trop contente. C'est un gain de temps de fou. Bon, après, ça ressemble pas aux sushis qu'on voit dans les restos chinois, mais voilà quoi. Mais ils sont meilleurs. Meilleurs? Je sais pas s'ils sont meilleurs. On fait ça tout doucement pour pas... Hop! Ah, je suis trop contente. Ils sont trop choupis. Ça fait des petits dés. Bon, allez, je démoule ça. Je suis trop contente. Franchement, c'est un gain de temps de fou. Surtout quand vous avez 2 kilos de riz à sushi à faire toute seule. Hein. Oh là là, trop mignon. Allez, j'enlève tout ça. Après avoir répété l'opération plusieurs fois, du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas besoin de laisser reposer le petit bac à glaçons au frigo pendant 10 minutes. Vous avez juste besoin de remplir, de bien tasser et vous pouvez démouler directement. Donc regardez comment ça se démoule très très bien.
Pour le petit moule, du coup, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je l'ai pris à Jiffy. C'est un moule en silicone. Voilà, j'ai terminé tous mes sushis. Donc là, c'est les sushis que j'ai réalisés à l'aide du bac à glaçons. Donc comme vous voyez, ils ont tous la même taille, tous la même proportion. Et franchement, on dirait limite que c'est une machine qui les a fait. Ils sont trop trop beaux. Donc ça, c'est les sushis que j'ai fait avec le bac à glaçons, comme je vous ai dit. Après, ceux que j'ai fait avec la natte, enfin avec la petite, le petit tapis, j'ai fait deux assiettes, mais après j'ai arrêté. Je vous le jure, j'ai arrêté parce que vraiment, limite, je préfère avec le bac à glaçons. Et je pense que maintenant, je ferai avec le petit bac à glaçons parce que c'est plus rapide. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a même pas besoin de laisser reposer au frais. Il faut juste bien tasser et directement les enlever et ça suit tout seul. Donc le petit bac à glaçons est en silicone. Donc voilà, je suis trop trop contente. Il faut après que je découpe tous les petits boudins que j'ai fait. J'en ai fait 6 je crois, qu'il faut couper en rondelles après. Mais là, franchement, pour le coup, il y a tout ça. Et j'ai pas encore découpé les autres, hein. Sur le premier petit plateau, nous avons ceux à l'avocat saumon. Hop, ici, aux graines de sésame. Donc, je les ai fait nature parce que moi, j'aime bien les graines de sésame, mais sans rien du tout. Ici, on a saumon, oignon frit. Ici, on a oignon frit tout simplement, puisque Kaylia, elle aime beaucoup. Après, ici, il y a quelques graines de sésame et les saumons. Donc, il y en avait aussi à la mangue, je ne sais pas où je les ai mis, je crois que je les ai mis, ils sont au frigo toujours, je ne les ai pas sortis. Mais il y a aussi à la mangue et mangue saumon, je crois. En tout cas, bref, c'est tout au saumon, je n'ai pas fait de thon aujourd'hui. Normalement, j'aime bien faire aussi au thon et au surimi. Mais du coup, aujourd'hui, on est resté que sur du saumon fumé. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que le fait que je vous embarque avec moi en tant que maman de 3 enfants vous a fait plaisir. Pour ma part, les petits sushis, je les ai réservés au frais pendant quelques minutes avant qu'on les mange. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager, mais surtout, surtout pour le référencement de la chaîne, pour que YouTube la mette plus en avant, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous comme à chaque fois et je vous dis à bientôt.